De façon générale, nous essayons dans l'Académie de Normandie de rapprocher au maximum l'école des entreprises, de façon à faciliter l'insertion professionnelle de nos jeunes, rapprocher aussi le corps enseignant, l'ensemble des formateurs, des besoins du monde socio-économique. Cette signature aujourd'hui était très importante parce que l'ordre des experts comptables, l'ordre des commissaires aux comptes, représente un métier, une profession qui peut être très porteuse pour nos jeunes, que ces jeunes deviennent finalement experts comptables ou bien, comme cela a été dit lors de la conférence, qu'ils occupent un métier à l'intérieur d'un cabinet d'expertise comptable. Ce sont des métiers très attractifs, très beaux métiers qui sont parfois mal connus de nos élèves et donc j'étais très heureuse de pouvoir signer cette convention qui va diffuser l'information sur ces beaux métiers. Alors trois types d'actions. La première, c'est celle à laquelle nous avons assisté tout à l'heure, c'est-à-dire c'est un parcours des élèves qui sont informés sur ce qu'est le métier, d'une manière un petit peu ludique, d'une manière avec une approche qui leur permet de se retrouver. Moi j'ai beaucoup apprécié la petite vidéo avec le bonhomme, on voyait bien qu'on s'adressait à des lycéens et c'est très important. Il y a une deuxième action aussi qui est une action mini-entreprise. Ça je suis très attachée à ce type d'action, c'est-à-dire que les élèves vont être amenés à résoudre un problème de l'entreprise aux côtés d'experts, notamment experts comptables, et donc à travailler vraiment au contact et sur des difficultés réelles du métier. Et puis bien sûr, un petit peu plus classiquement, des journées portes ouvertes, où là c'est l'inverse, c'est le métier qui vient se présenter à nos élèves, et ça je crois que c'est aussi une forme très importante de prise de connaissance par les élèves des différents métiers. Alors le partenariat signé aujourd'hui avec l'Académie permet de formaliser toute l'action réalisée par l'Ordre des experts comptables comme de la Compagnie des commissaires aux comptes. Alors ce partenariat, il permet vraiment de rendre concret et de rendre dans la durée ces actions pérennes et de faire en sorte que toutes les actions que l'on met en place se concrétisent à chacun des niveaux et dans chacun des établissements. Et ce partenariat permettra de pouvoir asseoir notre place et notre positionnement vis-à-vis des établissements nouveaux auxquels nous ouvrirons nos actions.